Le 25 mars se déroulaient les midis du management co-organisés par l'animation économique Tourisme d'YTech. Et pour l'occasion, en collaboration avec M. Paul Furlan, ministre wallon des pouvoirs locaux et de la ville en charge du tourisme. Cette séance, intitulée Exposition universelle de Shanghai, un programme porté par des managers pour des managers, présenté par Sylvie Hirzi, retracer l'expérience de la conception, réalisation et exécution de la scénographie et des contenus du pavillon belgo-européen. Je m'appelle Sylvie Hirzi, je suis venue aujourd'hui vous présenter le projet de Shanghai, de l'exposition universelle de Shanghai 2010. On a parlé de comment on a géré ce projet à 10 000 km quelque part d'ici, comment on a utilisé la technologie pour cela, quels sont les outils qu'on a mis en place au niveau de ce que j'ai appelé le rythme du business, c'est-à-dire la façon dont on a organisé le partage d'informations, la communication ici et là-bas avec tous les participants. Et on a surtout parlé de cela, je pense, hein, au niveau de cette organisation de projet gigantesque. Je viens du privé, donc les techniques de management sont celles que j'ai apprises pendant ces 22 ans. Mais je veux dire, le management, c'est quoi? C'est avoir des objectifs clairs, c'est pouvoir se doter de moyens pour y arriver. On a parlé de la technologie tout à l'heure, mais c'est aussi surtout une question de personnes. Une personne à tous les niveaux dans ce projet, de pouvoir public, de privé, de constructeur, d'architecte, de caméraman, qui ont tous mis du leur quelque part pour arriver à livrer ce projet. Donc si on a la technologie, si on a des objectifs clairs et si on a une équipe qui en veut, je pense que ça passe pas mal. Je trouve ça fantastique, je crois que vous arrivez à déplacer, j'ai vu une salle ici, il y a combien, 150, 200 personnes, 200 managers dans une salle un midi pour venir prendre 2 heures pour écouter des gens qui ont des expériences à partager. Je pense que c'est ça l'entrepreneuriat wallon, ce sont des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer, qui ont des choses à partager, qui ont certainement des choses à construire ensemble, et je trouve ça fantastique. Vous avez une équipe incroyable qui fait les choses bien et des invités qui ont une plateforme pour pouvoir s'exprimer et partager leur expérience. Je trouve ça vraiment une super initiative, ça manque, il faudrait en faire plus à mon avis. D'abord, on connaît YTech dans tout ce qu'elle fait pour le secteur des entreprises, pour les communes. Mais ici, les midis du management, c'est une initiative particulièrement originale, particulièrement intéressante, puisqu'elle consiste à regrouper finalement les entreprises de notre région, que ce soit de Thuin, du Sud Hainaut ou de Charleroi, de faire partager une expérience. Aujourd'hui, c'était la description du pavillon Shanghai lors de l'exposition universelle. Mais c'est surtout un endroit de rencontre, d'échange de cartes de visite, de partage de pratiques ou de bonne gouvernance entre les entreprises et le secteur public. Et donc, c'est vraiment un lieu d'échange qui m'apparaît comme particulièrement intéressant. Donc, je reviendrai.